fait tout seul là, le blanc. Bon, c'est fort ce qu'il est en train de faire, le blanc, il revient tout seul, il a lâché ses quatre compagnons pour revenir sur les deux hommes de tête qu'il était avec Armstrong, avec Capucci, avec Konitschev. Devant deux hommes, Luc Leblanc qui retourne, mais Sorensen n'est pas loin. Attention Luc à ne pas faire trop d'efforts quand même maintenant. Il part maintenant, c'est pour aller jusqu'au bout, dernier passage sur la ligne, la Klaassen. C'est un Français qui sera passé sur la ligne. Au moment de l'annonce du dernier tour, Luc Leblanc avec Tiroto dans sa roue, Sorensen est un peu plus loin. Derrière, on commence à hésiter un peu, mais Richard Virenque est formidablement bien placé dans la roue de Capucci, dans la roue de Konitschev, dans la roue d'Armstrong. Justement, il a retrouvé une partie à sa convenance, il relance la Sorensen. Et là, il jette toutes ses forces dans la bataille. Eh oui, il faut contrer derrière, je crois que le contre est parti derrière. Le contre est parti avec Luc Leblanc, c'est Luc Leblanc qui est parti, avec Tiroto dans sa roue. Luc Leblanc avec Tiroto dans sa roue pour revenir sur Sorensen. Oui, le voilà. Sorensen, oh, le blanc est déjà revenu, c'est parti, il faut passer le contre tout de suite. Virenque tranquillement dans la roue derrière, accélération de Luc Leblanc, Tiroto dans sa roue, formidable Tiroto aujourd'hui. Le blanc Tiroto, nouveau match, vous avez vu comme Sorensen s'est effondré. Le blanc contre Tiroto, le même match que tout à l'heure, Sorensen est battu. Tiroto va plus la force d'aller attaquer le blanc maintenant. Le blanc a commencé à tirer, Tiroto s'accroche, Tiroto a cherché à faire des parents de ses supporters. Le blanc, Tiroto est planté, le blanc est en train d'accélérer, un Français qui est en train de devenir champion du monde, accélération de Luc Leblanc, formidable course d'équipe des Français, il rentre derrière et dans un fauteuil, Tiroto est planté, Luc Leblanc, le Français, est en train peut-être de devenir champion du monde, Thierry Prima, il est en train d'aller chercher le titre. C'est parti, il ne sera plus rejoint, il reste à moins d'un kilomètre, 300-400 mètres d'ascension, il est parti dans la portion la plus raide. C'est ça, il est parti, c'est une certitude maintenant. Le blanc est champion du monde. Damar Fessé, notre consultant, notre ami du Tour de France. Regardez lui qui a gagné, c'est fini, il vient ici. Il va remporter un titre mondial, 14 ans après Bernard Hinault. Un Français est champion du monde. Luc Leblanc, le Limousin est en liesse. La France sportive est en liesse. Un Français est champion du monde. C'est un moment historique que nous vivons ici. Luc Leblanc va franchir la ligne du titre, bien sûr. Le très vieux Luc Leblanc au pays de Gino Bartali. Luc Leblanc, le Français est champion du monde. Et on va s'intéresser maintenant. Bravo Luc. Luc Leblanc champion. On va s'intéresser à la deuxième place. Pour voir sans doute un autre Français sur le podium. Avec Richard Virenque à la lutte avec Capucci. Richard Virenque, troisième. Deuxième Capucci, troisième Virenque. Deux Français sur le podium du championnat du monde. Du jamais vu. Extraordinaire performance des Français. C'était Bernard Hinault à Challenge en 1980. Thierry, vous êtes capable. Hey, salut à tous et à tous, Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti sur Pro Cycling Manager 2018 pour une nouvelle vidéo de mes grandes étapes du cyclisme. La dernière fois on a fait 2010, le Tour des Flandres avec le duel Cancellara-Bonnen. Comme je vous l'avais dit, ça serait DB94 pour cette vidéo. Il y a une personne qui a trouvé ce que ça allait être. Donc, bien sûr, DB94, qui est tout simplement génial. Si vous n'avez pas le 18, mais le 17, elle y est sur le 17 aussi, c'est exactement la même, donc... Allez-y, c'est super intéressant, il y a le parcours du Tour 94, avec notamment voilà, l'étape d'Otakam, l'étape de Luzardiden, le contre-la-montre d'Avoria. Franchement, super intéressant, il y a un Tirreno 94 aussi, il y a le Giro 94, donc quelques courses de 94. Je crois le Milan-San Remo, il avait fait 94, je ne sais pas si c'est celui-là ou pas. En tout cas, voilà, c'est vraiment super intéressant, hein, on voit, de jouer ces courses de 94 avec le calendrier. 94 un petit peu à l'ancienne, le Giro di Lombardia 94, donc ça c'est super intéressant. Mais nous on va faire les championnats du monde à Grigento avec Luc Leblanc, comme vous l'avez vu, un parcours très dur, hein. 19 tours à effectuer avec cette bosse, vous voyez c'est un petit tour, hein, mais c'est très très violent à chaque fois. Le tenant du titre Lance Armstrong qui s'était imposé, nous on va prendre l'équipe de France puisque c'était un Français qui s'était imposé en la personne de notre ami Luc Leblanc. Donc de la Scovas on peut le garder, on va enlever Jalabert, on va enlever Thierry Laurent, on va rajouter peut-être en fonction des moyennes, on va rajouter Richard Virenque et il me semble qu'on peut également rajouter... Didier Rousse, je ne sais pas s'il y était.
Stéphane Lowe, il me semble qu'il y était, donc voilà, on va rajouter, ça nous fait 9 coureurs. On se retrouve tout simplement au-dessus tout de suite d'Agrigento pour cette magnifique course avec Luc Leblanc. On parlera bien sûr un petit peu de ses championnats du monde 94 et ensuite on jouera la course pour essayer de la remporter avec Luc. A de suite pour le départ de ces championnats du monde d'Agrigento 94. C'est parti donc pour ces championnats du monde chaleur écrasante, comme il avait fait en réalité. On va placer nos petits français, voilà, c'est Agrigente, la Sicile. On a une équipe qui est là, qui est prête à entourer Luc Leblanc avec un petit moins de 2, mais bon, ça va être pas trop impacté. Il pourrait être aidé par Richard Virenque, Kentco, donc ça c'est super. On va mettre Ronan Pincek en protection de Luc Leblanc. Et dans le final, on attaquera un petit peu, donc on va partir tranquillement quand même. Voilà, on va mettre un petit x8, mine de rien, on va parler de ces championnats du monde. Donc en 94, ça se passe à Agrigente, et c'est donc une victoire pour Luc Leblanc. On va quand même parler un petit peu de tout ça. On le rappelle hein, rapidement, le tenant du titre en 1993, c'est Lance Armstrong qui s'était imposé devant Miguel Indurain et Olaf Ludwig, le coureur allemand. Et à ce période-là, le dernier coureur français vainqueur d'un championnat du monde, c'était Bernard Hinault en 1980, qui s'était imposé devant l'Italien Baroncelli et l'Espagnol Juan Fernandez. Et ensuite, bon, on va un petit peu citer tous les vainqueurs français. Le dernier, c'est Laurent Brochard en 97 devant Bo Hamburger et Léon Van Bonn. On a eu quelques vainqueurs français, il y en a eu 7 il me semble, si je dis pas de bêtises, avant Bernard Hinault. Avant Bernard Hinault, ça commence à remonter, puisque on n'avait pas eu de vainqueur depuis 1954 avec Louis Zambobé qui s'était imposé devant Fritz Scher ainsi que Charlie Goll. Avant Louis Zambobé, on avait eu Georges Speicher devant Antonin Magne et Marinus Valentin, le coureur néerlandais. Ensuite, forcément, avant Speicher, il me semble qu'on avait on avait eu Antonin Magne en 1936 devant Aldo Bini et Theo Middelkamp. Il me semble que j'ai pas oublié de coureurs français. J'ai bien dit Louis Zambobé. J'ai oublié André Darrigade également en 1959 devant Michele Sismondi ainsi que Noël Fauré. Et Jean Stablinski en 62 devant Seamus Elliott et Jos Ovanas. Voilà donc franchement quelques coureurs français qui sont imposés. Le dernier, c'est comme je l'ai dit Laurent Brochard en 1997. En 94, on avait eu Luc Leblanc devant Claudio Capucci et son compatriote Richard Virenque qui était venu chercher une deuxième place. Je suis allé un peu vite, je ne les ai pas vus qui sont partis me chercher les bidons. On va donc rester pour le moment dans ce peloton et on va parler un petit peu de 1994. Qu'est-ce qui s'est passé? 19 tours, on les voit, ils sont très très durs. On va dire il y a deux équipes qui sont favorites, c'est l'équipe italienne qui aborde quand même d'énormes coureurs avec, on le cite, notamment Cassani, Casagrande, Capucci, Cirotto, Furlan, également Fondriest, Bortolami, voilà, énorme équipe. Côté français, c'est pas mal aussi. Et après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément d'équipe qui sort du lot. Donc, c'est vraiment deux équipes qui se tirent la bourre en quelque sorte. Et à 15 tours de l'arrivée, on retrouve un groupe avec 23 hommes, 7 coureurs italiens, 5 coureurs français. Et notamment Claudio Capucci qui peut faire figure de vainqueur chez lui en Sicile. Il y a énormément de supporters italiens, forcément, on les connaît, les supporters italiens, surtout en Sicile. 18e tour, donc avant-dernier tour, on a une attaque de Luc Leblanc, enfin d'abord une attaque de Sorensen, qui est rejoint par Luc Leblanc ainsi que l'Italien Massimo Cirotto. Donc c'est un groupe quand même de 3 qui a 15 secondes à peu près d'avance hein, sur le groupe de derrière, où figure notamment le tenant du titre, Lance Armstrong, Claudio Capucci, on retrouve Richard Virenque et compagnie, mais voilà. Ça revient au pied de la descente avec donc Sorensen qui tente sa chance. Ensuite, on a donc Cirotto et Leblanc qui repartent. Et finalement, Luc Leblanc dans le final qui distance tout le monde. Et c'est donc la victoire de Luc Leblanc. Richard Virenque lui vient chercher la 3e place. Claudio Capucci, 2e. Donc, on a Luc Leblanc qui s'impose pour 9 petites secondes devant Capucci, Virenque et Cirotto qui vient faire 4e. Dimitri Kolichev, le russe, 5e. Rolf Sorensen, 6e. Lance Armstrong, 7e. Laudelino Cubino, le premier espagnol, 8e à 52 secondes. Björn Riis, 9e. Le coureur danois
à 52 secondes aussi, il termine dans la roue de Kubino. Et Piotr Ugromov qui termine 10e à 59 secondes. On notera également Armand de Las Cuevas, le coureur français, 3e français et 11e sur ce championnat du monde. Donc franchement, un gros championnat du monde. Le blanc qui succède, on va dire, à Bernard Hinault. Et c'est quand même une victoire assez, assez énorme hein, qu'on peut encore noter. Donc le but, ça va être quand même de refaire cette victoire, hein, si on peut, avec notre ami Luc. Donc bon, dans les 50 derniers kilomètres, on mettra hein, notre accélération avec l'équipe de France. On va envoyer Lino, tiens sur ses bidons. Pour le moment, on a notre armature qui est prête avec un virant qui va être énorme aujourd'hui pour bien apporter son aide, forcément. Ça va être compliqué de faire deux coureurs sur le podium. Ça va même peut-être compliqué que Capucci vienne faire la deuxième place. Mais si on peut venir s'imposer, ça serait le top. En tout cas, essayer de faire craquer un petit peu, avoir un petit groupe dans le final. Ce sera dans les prochains tours hein, qu'on le fera. Dans deux tours, je pense qu'on va pouvoir commencer à mettre notre petite accélération. C'est vrai qu'après, le final arrive relativement vite. Là, on voit, il y a 140 tomes. Il n'y en a pas tant que ça de distancer avec Fujino. Et à l'avant, ensuite, on commence à compter des coureurs, mais qui commencent un petit peu à craquer aussi. À penser que là, on le sent qu'il n'est pas très bien hein, pour protéger Luc Leblanc. On va faire le prochain tour tranquillement et ensuite, dans la prochaine difficulté, on commencera à attaquer. Il restera quand même 4 ascensions à effectuer. Donc, je pense que ça sera pas mal. On perd des unités petit à petit, là. Hein. Vraiment, c'est petit à petit que c'est en train de se faire dans cette descente-là. On va aller chercher des bidons avec notre ami Elo qui va aller chercher les bidons. Il reste 60 km à parcourir. On va mettre Luc Leblanc dans la roue de Richard Vianque. Ensuite, on va mettre Armand de Las Cuevas. Laurent Brochard peut-être ou Jackie Durand. Ça sera Laurent Brochard. Hein. Laurent Brochard qui me semble pas mal. Ensuite, on va mettre Lino Durand. Pincec qui est pas mal. Ouais, plutôt Lino Pincec Durand. Et on va commencer à rouler dès maintenant avec Elo qui va nous remonter les bidons. Mais voilà, sinon on peut mettre notre rythme là d'entrée. Rué qui ne va pas prendre de relais. Ça ne sert pas forcément à grand chose. Mais là, c'est l'équipe de France hein, qui va commencer à amener. Avec Elo qui va essayer de remonter les bidons. On n'est plus que 135 quand même. Et devant, Jackie Durand qui amène cette équipe de France qui a quand même une belle tête. Hein. Déjà, on va revenir premier temps sur les hommes de tête. Et ensuite, ça sera autre chose. Hein. Mais regardez, Jackie Durand là qui est en train d'amener parfaitement. Luc Leblanc très bien placé. On voit les Italiens notamment avec Tirotto qui est bien placé. Kimov qui est là. Les Suisses aussi qui sont présents. Avec Argentine, avec Furlan. Ah, il y a du monde. Munoz, etc. Bauman. Regardez, Capucci qui est remonté par Fondriest. Et l'accélération de Jackie Durand là. L'accélération de Jackie Durand. On va pouvoir faire mal encore avec Jackie. On va faire la descente à fond de toute façon. Là, le but c'est d'essayer de distancer le plus de coureurs possible. Là, on va continuer à accélérer. On est dans les parties difficiles de toute façon actuellement là, de la bosse avec des passages à 6% à peu près. Donc c'est maintenant que ça commence un petit peu à faire mal. Eh, les Italiens qui se sont replacés là aussi. Elo, le pauvre, il n'arrive pas à nous les remonter, ces bidons. Hein. Mais Jackie Durand, on le sent qu'il est plus très bien devant. On va l'envoyer tout ce qu'il a. Il va prendre le gel. Mais là, c'est vrai que si on peut essayer de faire une cassure, ça serait pas mal. Ouais, il faut s'accrocher. Elo qui est en train de tout remonter. On va mettre Pincec maintenant. Jackie Durand qui a été énorme hein, là, sur cette course. Pour le moment, il a été terrible. Hein, Jackie Durand, il nous a fait très très mal. Au moins, on est revenu sur les hommes de tête. Allez, c'est bon. Il a remonté les bidons là, Stéphane Elo. Et maintenant, il peut terminer tranquille. Regardez, Ronan Pincec qui est en train d'accélérer. Allez, l'accélération dans la descente. Ça peut faire mal. Parce que pour le moment, on est quand même bien groupé. Avec 132 hommes, pas de chute à déplorer, c'est une course assez propre hein, pour le moment. Et Kimov qui est placé dans la roue de Zabrabieta, Olano, Garmendia. Il y a une bonne ossature hein, côté espagnol aussi. Pincec qui poursuit son accélération, il va arriver au pied de la bosse et il va pouvoir lancer Lino. Parce que là il est en train de très très bien accélérer, en tout cas on fait mal avec cette équipe de France petit à petit. L'équipe de France qui est en train de faire mal parce qu'on est déjà mine de rien au pied de la bosse. Et là, l'accélération de Pincec, elle n'était pas pour rien. On va lui donner son gel aussi. Allez, c'est parti. Pincec, là, qui est en train de faire mal. Avec, regardez, Lino derrière, Brochard, de Las Cuevas, Virenque Leblanc.
C'est quand même assez costaud. Lino, à toi, mon petit. C'est terminé, hein, pour penser qu'il a fait un énorme effort aujourd'hui. Là, nous, si on peut distancer le peloton, regardez, on le voit, hein, pour le moment, l'équipe de France qui est superbement bien amenée. Ouais, derrière les Espagnols qui sont là, hein, on n'en a pas douté. Avec De Las Cuevas qui est en train d'amener, hein, enfin qui est en train de... qui est pas mal aujourd'hui, hein, je pense qu'on peut faire de bonnes choses. Toujours 129 coureurs, ça me perturbe par contre de voir autant d'hommes encore présents. Dans tous les cas, là, il faut accélérer avec Lino. Laurent Brochard, on va le mettre, hein, pourquoi pas maintenant. Là, si on peut accélérer avec Laurent Brochard, on va en profiter. Allez, Laurent Brochard, là, qui est en train de mettre l'accélération côté français. L'accélération qu'on attendait, on est en train de perdre un petit peu des unités, c'est en train de faire mal. Ouais, Lino qui a fait un petit écart alors qu'il n'y a plus que Garmendia dans notre roue. Eh, Laurent Brochard, faut y aller à bloc maintenant, mon petit. Tu fais une bonne accélération, tu continues. Et on se casse pas la tête, hein. De toute façon, on mettra une accélération dans la prochaine difficulté, je pense. Là, Laurent Brochard qui va nous faire la descente à bloc, comme un seigneur. On n'est plus que 95, on a quand même distancé un groupe derrière avec... des Ukrainiens notamment. Et là, on va continuer d'essayer de faire casser. En tout cas, ça fait énormément de kilomètres qu'on roule là. Hein. Pour le moment, c'est parfait. Allez, ça va être au tour d'Armand de la Cuevas là, de venir rouler. Laurent Brochard, c'est terminé. Il a fait son taf, hein, notre ami Laurent Brochard. Allez, nous, ça va être pour le moment Luc Leblanc qui est amené sur un fauteuil. Après, la question, c'est est-ce que j'attaque dans cette partie-là ou est-ce que j'attends le dernier tour? Je pense que je vais quand même attaquer dans ce tour-là. Hein. Je vous avoue très sincèrement, j'ai envie d'attaquer dans ce tour-là. Après, résister, ça va peut-être être compliqué. Mais ça me semble jouable. Allez, en tout cas, Armand de la Cuevas qui est en train d'amener pour le moment parfaitement ce peloton. On le voit, hein, Luc Leblanc qui est parfait. On attaquera dans les pourcentages les plus durs. Donc, c'est-à-dire quand même pas maintenant encore. Mais on va se repositionner assez bien. Richard, c'est dommage parce que c'est lui qui est bien. J'aurais bien aimé avoir cette forme avec Luc, je vous l'avoue. Mais là, quand on va commencer à mettre notre accélération, ça peut faire très très mal. Parce que devant, on a un De Las Cuevas qui est énorme. Hein. Ouais, il est énorme pour le moment, Armand. De Las Cuevas, là, c'est en train de piquer ce qu'il fait. Et c'est à peu près là, de toute façon, qu'il faut produire une accélération. Lino, je sais pas ce qu'il fait, pourquoi il est remonté comme ça. Allez, c'est dans ce niveau-là, de toute façon, qu'il faut la mettre. Luc Leblanc, c'est parti. On va laisser les deux là dans le peloton. Et on va y aller avec Luc Leblanc. C'est Gianni Bugno qui vient nous suivre. Udobols qui est là aussi. Et Luc Leblanc là qui est en train de mettre son accélération. Ah, elle fait mal celle-là. Elle fait mal son accélération à Luc Leblanc. Le problème c'est qu'il y a énormément de coureurs pour le moment dans notre roue. Hein. Ah, il y a énormément de coureurs. Allez, on essaye de continuer l'offensive avec Gianni Bugno qui a pris la roue. Udobols. Et il y a un petit groupe là quand même. Un petit groupe là qui s'est formé. Avec Luc Leblanc devant. Et Richard Virenque la font monter, mon petit. Wow, Richard Virenque, il est un peu pris au piège derrière. Mais il y a Pavel Tonkov qui est là. Et Gianni Bugno. On n'est plus beaucoup là. On n'est plus beaucoup. Mais il y a Miguel Indurain, notamment Bugno. Il y a Brunel, Armstrong, Rhys. Derrière, c'est un petit groupe où on retrouve notamment Richard Virenque. Ouais, là, c'est tranquille. On essaye de reprendre un petit peu. On va aller chercher des bidons avec Luc Leblanc. Derrière, le groupe Viran qui est rentré. Donc, ça, c'est parfait. On va pouvoir avoir un dernier appui hein, avec Luc Leblanc. Voilà. Hop, hop, hop. On va se mettre tranquille avec Richard Viran. On va pas non plus mettre un gros, gros rythme. Mais voilà, pour le moment, c'est tranquille. Olano qui roule, Abraham Olano. Et derrière, ça ne rentrera pas ici. Hein, avec notamment Zarabieta. Est-ce qu'on a Claudio Capucci devant? Je pense, hein, parce qu'avec tous les Italiens qu'on a, on a Capucci, on a Bugno, on a Fondriest, on a Furlan, et on n'a pas... Ouh, on l'a pas, comment il s'appelle? Oui, j'ai plus son nom en tête, mais il n'y est pas, visiblement. Il n'y est pas, visiblement, Massimo Cirotto. Allez, c'est maintenant hein, qu'il faut accélérer, là, de toute façon, avec Richard Virenque. On le sait, hein, pour Luc Leblanc, c'est maintenant qu'il faut produire l'accélération avec Delgado qui est bien placé. Delgado qui est bien placé. Par contre, ce qui me fait peur, c'est là pour Luc. Hop. À tout moment, voilà, il faut être prêt. Parce que bon, Richard Virenque va mettre une grosse accélération là pour le moment. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de produire. On cadenasse bien là pour pas se faire contrer. Mais au bout d'un moment,
ça peut picoter, hein. Regardez les Espagnols avec Indurain notamment. Là, c'est les Suisses, hein, qui remontent très très bien le peloton. Richard Virenque qui est pas mal. Gianni Bugno qui essaye de partir. Bugno qui essaye de partir dès que Virenque, de toute façon, là, on peut plus. Il faut essayer d'en mettre une et on y va. Allez, on y va avec Luc Leblanc. Terminé pour Richard. Luc Leblanc qui est parti. Allez, on y va avec Luc. Pour le moment, on est pas mal. J'ai pas pris mon gel, par contre. C'est peut-être un peu risqué. Ça va pas être le même type d'arrivée qu'il y avait eu en vrai. Parce que Luc Leblanc a encore du jus. On va essayer de sortir face à Gianni Bugno. Il y a Indurain qui est pas mal. La victoire peut-être pour Luc Leblanc. Ça revient avec Argentine. Luc Leblanc qui est encore devant. Qui sait qui va aller s'imposer. C'est juste, mais on s'impose avec Luc Leblanc. Pas de la même manière, mais on s'impose devant un Italien. Et Virenque qui ne fera pas podium, mais quelle course, franchement énorme, parce que on n'a pas réussi à sortir, on a fait énormément d'efforts, en tout cas j'ai essayé de respecter, je vais attaquer dans le dernier tour, la victoire est là, on retrouve quand même Claudio Capucci. Bon, c'était un peu plus compliqué, je vous l'avoue, après un championnat du monde, le problème c'est que on ne peut pas mettre les startistes, il n'y avait pas autant de coureurs en 94, c'était pas tout à fait pareil, c'est vrai que j'ai pas pu forcément faire ce que je voulais, donc c'est un peu dommage, et voilà, bon ben c'est pas grave, on s'impose en tout cas, c'est l'essentiel, ça vous a fait au moins découvrir cette DB94, hein, pour ceux qui la connaissaient pas, franchement elle est super intéressante ce DB94, on s'impose quand même contre des grands noms, hein, contre Argentine, contre Forlan, contre Indurain, Bugno, Rominger, Berzin, Capucci, Rhys, Armstrong, et on a resté jusqu'au bout, hein, face à ces deux Italiens qui revenaient comme des morts de faim. Et donc, Luc Leblanc qui s'impose sur ces championnats du monde avec un magnifique maillot. J'aime beaucoup le maillot, franchement, là, de l'équipe de France. Ça fait plaisir, en tout cas, d'aller chercher une petite victoire comme celle-ci. Voilà. J'espère que vous, en tout cas, les gars, que ça vous a plu. Voilà, donc, c'était l'essentiel. Je m'excuse pour la qualité aussi de la vidéo qu'il y avait au début, mais voilà. C'est ce que j'ai trouvé, on va dire, de plus intéressant à mettre, qui était complète. Donc, voilà, c'est vrai que c'est pas facile à chaque fois à trouver, mais bon. On s'adapte, je sais absolument pas ce que je ferai la prochaine fois, je vous avoue, je commence un petit peu à réfléchir, j'ai pas mal d'idées, mais je ne sais pas encore, je vous avoue que j'aime bien cette DB94, donc il y a peut-être moyen que ça soit encore en 94, ou même pourquoi pas sur une DB90 que j'ai, donc je verrai. En tout cas, on s'impose aujourd'hui une courte roue, ça n'a pas été le même cas, mais le caractère offensif était présent, et là, il est essentiel. Vous voyez, il y a quand même énormément de coureurs, là, 147, donc il n'y en avait pas autant en réalité, mais bon, ça fait plaisir. J'espère que vous, en tout cas, ça vous a bien plu, cette petite course en mode année 94 avec Luc Leblanc, mais bon, c'est championnat du monde d'Agrigente. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, proposez des idées, pourquoi pas, je les regarderai bien sûr, ça pourra peut-être me donner des idées, m'aiguiller un petit peu. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao tout le monde.